Les élèves tricheurs passeront-ils le bac? Rien n'est moins sûr. L'examen débutant ce 20 août sur toute l'étendue du territoire. Le ministre de l'Éducation nationale a affiché une fermeté déconcertante sur ce dossier sujet à de nombreuses interrogations. L'État gabonais peut-il recaler ces jeunes gabonais victimes d'un système éducatif agonisant et aux antipodes de la civilisation? Des recrutements complaisants et surtout des effectifs pléthoriques avec en moyenne 150 élèves par classe. Le pire est que l'État gabonais n'a construit aucune salle de classe depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba en 2009, qui a préféré axer sa politique vers la propagande et l'organisation des compétitions internationales telles que les Coupes d'Afrique des Nations, les courses de bateaux et les carnavals. Cet argent aurait pu servir à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des jeunes gabonais. Aujourd'hui mis au banc des accusés, cette génération tend à être sacrifiée au motif d'une supposée exemplarité. Ces élèves sont-ils seuls responsables? Le gouvernement devrait commencer par virer les ministres corrompus et autres agents de l'État qui affichent une fortune insolente, à tel point qu'on se demande où ont-ils pu trouver autant d'argent. Par ailleurs, les Gabonais veulent savoir où sont passés les milliards découverts dans les domiciles des Agéviens. Qu'à cela ne tienne, Daouda Mougiama devrait manier le bâton et la carotte pour les jeunes Gabonais qui n'avaient pas d'autre choix. Loin de nous, l'idée de vouloir les exonérer de leur faute. Ne dit-on pas qu'au Gabon, la jeunesse est sacrée? Ne la sacrifiez pas donc, M. Daouda.